Coucou à tous, c'est Vini du comptoir de Vini, je suis dans les nouveaux locaux. Donc pour ceux qui n'ont pas VK, malheureusement vous ne voyez pas les directs, vous ne voyez plus rien. Donc il va falloir que vous arriviez à télécharger VK sur vos téléphones et sur votre ordinateur. C'est simple, vous tapez VK France. Vous rentrez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone portable. Vous allez recevoir un appel. Surtout, vous ne répondez pas. Vous écrivez les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone, du code secret qui vous envoie. Et du coup, votre VK est activé. C'est pas très compliqué, mais il faut bien marquer VK France. C'est sûr que si vous marquez VK tout court, du coup, vous allez vous retrouver avec le VK russe. C'est dommage parce que vous ratez plein de choses. Vous ratez et mes voyances et les vidéos de la boutique. Donc, étant donné que vous n'avez pas vu, pour certains d'entre vous, les vidéos, je vais vous présenter la boutique dans l'état où elle est à l'heure actuelle. Pas bon, c'est le bordel. Allez, je vais vous montrer, on va vous montrer déjà les pièces du fond. Pour ceux et celles qui l'ont pas, qui ne connaissent pas. Donc, on a des gros dégâts des eaux. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc il va y avoir énormément de travaux qui vont être faits pour rattraper l'étanchéité. Donc ici, vous aurez toute la réserve, donc vous n'y avez pas accès. Mais vous avez ce côté-là, ce coin-ci, qui va être le bureau pour les consultations et les soins. Ensuite, vous avez une première grande pièce, ici, énorme. Oui, on a déjà commencé à installer donc, la moitié du meuble. Donc le meuble, il est comme ça, vous voyez, il est allumé, il est joli. Et là, il manque les 3 autres gros panneaux. Voilà. Il y a également, il y a 2 consoles comme ça, qui s'allument également. Donc, la première, elle est là. La deuxième, elle est là. Elle n'est pas belle, dit. Voilà. Là-bas, c'est le coin pipi. Ensuite, vous avez le deuxième espace qui est ici. Voilà. Là, c'est le deuxième espace. De ce côté-là, comme vous avez pu constater, il y a déjà mon bureau, donc ça sera la caisse. De ce côté-ci, vous voyez tous les cartons qui se sont accumulés au fur et à mesure des jours. Ça va être le coin ésotérique avec un canapé, avec tout ce qu'il faut pour vous mettre à l'aise, pour vous essayer au niveau des cartes, au niveau des tarots, au niveau des pendules. Vous aurez, comme vous avez pu constater là sur ce que je suis en train de vous montrer, donc un échantillon des encens. Vous le reconnaissez, le Bouddha de ma boutique, mon Bouddha. Voilà, il est là. Et voyez, il y a une grosse luminosité qui est présente. Voyez, on a investi dans des gros tourniquets. Donc, pour l'instant, j'ai posé ça comme ça en attendant parce qu'il fallait que je vide des cartons. Voilà, voilà le gros panneau avec pas mal d'informations qui vont être positionnées aussi dessus. Et puis, voilà, il va y avoir... des tableaux que vous ne connaissez pas qui vont être accrochés au mur. D'autres sont à venir également. Alors, cette petite vidéo, attendez, je la tourne. Parce qu'évidemment, qui dit nouvelle boutique dit nouveauté également à la boutique au niveau des produits que je commande par rapport aux demandes. Que je reçois, est-ce que tu peux avoir ça, est-ce que tu peux essayer de nous trouver ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, hop, ici, vous voyez, regardez, c'est même pas un cutter, c'est un truc pour faire les travaux. Le livreur vient de passer, hop, 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 et suite à pas mal de petites demandes. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a. Hop, ce que j'ai commandé. On y va. Alors, sur VK, il a déjà été présenté, ce sont les baumes hibou. C'est un peu comme les baumes du tigre, mais c'est hibou. Chaque baume a une vertu bien précise. Ils sont déjà sur le site, donc je vais pouvoir vous les mettre tout à l'heure en vente, enfin sur le site. J'attendais de les recevoir avant que vous puissiez les acheter. Donc les baumes sont là. Donc vous me les laissez le temps de tout valider sur le site. Donc normalement d'ici 16 heures, vous pourrez les commander. Donc il y a les baumes.
Hop, ensuite, je levais ça pour pas que je me coupe le doigt. Viens ici. Hop là. Là. Si vous avez des interrogations par rapport à la lettre des généraux qui ont écrit la lettre des légionnaires, comme je vous ai dit, inscrivez-vous sur VK. J'ai fait ce qu'il fallait ce matin. Ensuite, on y va. Ah, c'est un petit peu coulé. Ça sent bon du coup. Du liquide vaisselle pour... en aloe vera, mais dedans, alors, la composition, je l'ai mis sur internet, j'ai pas mes lunettes et je suis en train de me tuer les yeux en fait, d'essayer de vous le lire. Donc là, c'est à base d'aloe vera. Donc hop, détergent aloe vera pour la vaisselle. Si vous êtes comme moi, vous faites la vaisselle à la main, évidemment. Hein. Parce que moi, je continue à faire la vaisselle à la main. J'ai plus de lave-vaisselle depuis des années. Hop. Allez. Ensuite. Tac, 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 tac. Oh, tu te caches. Merci. Le savon ayurvédique qui a 18 plantes à l'intérieur. Non, oui, c'est ça, 18 plantes. Ils sont toujours aussi bons. J'ai eu beaucoup, 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 énormément de retours positifs sur ce savon. Les personnes qui l'ont acheté, donc vous l'avez beaucoup mis sur VK, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le mettre également sur Facebook, ici, pour que les gens puissent constater par eux-mêmes les effets de ce savon. Je ne peux pas mieux vous dire que quand c'est les clients qui témoignent, voilà. Certes, vous allez me dire, tu es commerçante, donc c'est sûr que tu vends ton savon, mais je peux vous garantir, et je vous le jure sur la tête de mes gamines, qu'il y a une personne qui a des gros problèmes de peau au visage, a tout essayé chez les dermatos, des crèmes, des cachets, des produits, des savons sans savon, des savons anti-allergènes et tout, et rien n'y a fait. Elle a pris celui-ci, je lui ai dit, je te le conseille, je lui ai dit, fais-moi confiance, elle m'a fait confiance, et bien honnêtement, elle est restée sur le cul, elle n'a plus de problème de peau. Mais elle n'en a plus. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il est naturel. C'est un produit, c'est un savon aux plantes naturelles. Dedans, il n'y a pas de produit chimique. Voilà. Après, vous verrez. Donc, les personnes qui l'ont acheté, s'il vous plaît, mettez-moi des avis, autant ou dans les avis ou sur ici, sur la vidéo, pour que les gens puissent se prendre conscience de ce produit-là. Il est simplement, mais alors, magique. Parce que j'ai pas d'autre mot à vous dire que ça. Hein. Je mets du temps à trouver des bons produits. Je les teste à la maison. J'en commande un. On le teste. On voit ce que ça donne. Donc il y en a, il y a des Yvon où les filles ne sont pas d'accord. Eh bien, on ne le prend pas. Ou moi, il ne me correspond pas. Donc s'il ne me correspond pas, c'est sûr que je ne vais pas vous le proposer. Mais j'essaye. Tous les produits que je vous propose, c'est parce que je les ai essayés. Toujours dans la notion Ayurveda, donc ayurvédique. Le dentifrice, pareil, comme le savon, dit à base de 18 plantes. Il ne vous laisse pas la bouche pâteuse. Pour les personnes qui ont des problèmes avec une grosse salivation et qui malheureusement donnent une mauvaise haleine au fur et à mesure de la journée, non pas liée à un problème de foie, mais tout simplement par rapport à une grosse salivation, il est magique aussi. Moi, c'est celui-là que j'utilise. Voilà, et il vous laisse, je ne sais même pas comment vous expliquer, il est mortel. Et dedans, il y a le bâton de réglisse que vous voyez là, ici. Il y en a dedans et ça blanchit les dents. Voilà, ça blanchit les dents. Donc là, c'est toujours encore du produit pour la vaisselle à base d'aloe vera. Donc vous connaissez les vertus de l'aloe vera pour beaucoup d'entre vous. C'est une plante qui, alors oui, on peut mettre le mot miraculeuse à ce niveau-là. Vraiment miraculeuse. En restant toujours dans l'Ayurveda, j'ai pris du gel douche.
On en met très peu. C'est pas les gels douche que vous trouvez en magasin. On en met très peu. Ils moussent beaucoup, mais en vraiment une micro-goutte suffit à vous laver le corps. C'est-à-dire la petite bouteille là que vous voyez. Normalement, elle est censée vous durer quand même assez longtemps. C'est comme le dentifrice. Si vous savez mettre la quantité nécessaire, c'est pas besoin d'en mettre sur tous les poils de la brosse à dents. Vous mettez vraiment une noisette. C'est pas la quantité. C'est comment vous vous lavez les dents. Là, c'est la même chose. C'est pas la quantité. C'est comment vous savez vous laver. Donc, un tout petit peu. Voilà. Et on va terminer par le lait d'ânesse. Mais en pchit-pchit. Voilà. Vous connaissez le lait d'ânesse. Il y a des savons déjà de lait d'ânesse sur le site. Là, il y a le pousse-pousse, hein, le savon liquide. Protège et nettoie toute en douceur. Il fait 500 millilitres le lait d'ânesse. Et le gel douche Ayurveda, donc de la communauté ayurvédique, il fait 200 millilitres. Voilà. Les emballages. Les emballages là, les emballages, les emballages, mais c'est du plastique ou de sucre de canne. Je vous laisse aller découvrir sur Internet, sur Google, sur YouTube, ce que vous voulez, le plastique créé à base de sucre de canne. Et je pense que vous risquez d'être fort étonné. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ben oui, c'est du recyclage. Le plastique de sucre du canne, c'est exactement, c'est un système de recyclage. Je vous laisse aller le découvrir ce que c'est. On protège la planète comme on peut avec les moyens qu'on peut, chacun à son échelle, chacun à ses manières. On se fait du bien à notre esprit, on se fait du bien aussi à notre corps. Et bientôt, j'ai fait la demande aux abonnés sur VK, si vous vouliez avoir du thé, du vrai thé, que l'on met dans des boules à thé, dans une théière et pas en sachet, voilà, du vrai thé. Je vais passer commande d'ici à peu près une bonne semaine de thé. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé un thé spécifique que je ne connais pas, que je vais apprendre du coup et découvrir aussi. Voilà, le thé mata, le mata ou le maté, un nom comme ça. Je crois que c'est le maté plutôt. Voilà, je vais apprendre à le découvrir parce que je ne le connaissais pas. Voilà. Avez-vous du shampoing pour cheveux après une chimio? Alors oui, sur le site, il y a ce qu'on appelle les shampoings solides. Alors, il y en a un qui est pour la repousse des cheveux. Je ne sais plus c'est quelle fragrance exactement. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que pour la repousse des cheveux, c'est le Liang Liang. Allez vérifier, vous tapez shampoing solide et vous verrez, y en a quelques-uns et c'est le Liang Liang. De mémoire, si je suis pas en train de vous dire une bêtise. Mais comme il y a plusieurs flagrances, je ne pourrais pas vous dire. Mais effectivement, il y a du shampoing pour la repousse des cheveux. Non, alors on ne dit pas une peau atomique, on dit une peau atopique. Voilà. Donc, ben, propose-lui ou essaye, Isabelle, le savon ou le gel douche Aryuvena. Une fois, tu l'essayes. Après, tu me dis. Voilà. Alors, les tisanes, je ne sais pas. Je sais que du thé, oui. Des tisanes, je ne sais pas s'ils en ont. Voilà, je vais essayer. Pour les cheveux blancs aussi, il y est. Il faut regarder. Je ne sais plus c'est lequel, mais pour les cheveux blancs, il y est. Moi, celui que je préfère, à titre personnel, c'est l'amande poivrée. Voilà. Voilà, c'est l'amande poivrée, il est fait pour tout type de cheveux, il est mortel. Voilà. Après, comme je vous ai expliqué, le shampoing solide, dedans, il n'y a pas de produit moussant. Donc attention de ne pas vous le mettre, d'en mettre trop. Parce que sinon, ça va faire comme quand vous lavez les mains au savon de Marseille. Ça vous fait les mains sèches si vous mettez trop de savon. Mais là, ça risque de vous faire le cheveu sec. Donc il faudra trouver le bon dosage. Normalement, au bout du troisième shampoing, on arrive à trouver le bon dosage. Et le shampoing solide, l'avantage, c'est que ben, vous pouvez l'amener dès partout. Parce que c'est en forme de savon. C'est un savon dur. Voilà. Peau hyper, mais hyper sèche. Ben, les savons, tu as ou le lait d'ânesse, qui est très bien, ou tu as le savon, celui-là, là, que je viens de montrer. Regarde. Aryovena, celui-là. C'est une cliente amie qui l'a essayé, elle a des gros problèmes de peau et elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à essayer. N'hésitez pas. Ensuite, c'est vous qui mettez les avis. Et les avis, je ne peux pas les modifier sur le site. Je peux tout simplement y répondre.
Voilà, c'est bien s'il existe un porte-monnaie magique, il n'y a pas de problème. Regarde, supprimez le commentaire. Au revoir. Parce que si ça existait vraiment, le porte-monnaie magique, il n'y aurait pas de pauvres sur Terre. Voilà. Alors, j'ai déjà le lait d'ânesse en pousse. Où tu trouves le tien? Merci, Vini. Ben là, regarde. Ici. Voilà, je prends cette gamme-là. Je prends Oleana. Il existe depuis 2002. Oleana. Voilà, je prends celui-là. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je commande au fur et à mesure. On va refaire les vidéos d'ouverture de carton ensemble à chaque fois. Voilà, prête pour une grosse commande. Alors, vous me laissez le temps. Donc, d'ici 4 heures, ça sera, tout sera mis correctement sur le site. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est sûr. Parce que là, Yvon est allé chercher les derniers meubles. Donc, voilà. Donc, moi, j'aurai le temps, ben, là, du coup, de vous mettre tout sur le. Du moins, c'est déjà sur la base de données du site. Maintenant, il faut juste que je les check correctement. Et puis, je vous les mets. Je vous embrasse. Je vous fais vraiment de très gros bisous. Je vous remontre le début de la boutique. Elle va être juste énorme, mais vraiment énorme. Et au mois de juin, j'ai prévu une inauguration, sûrement le dernier week-end du mois de juin. Comme ça laisse le temps à tout le monde de pouvoir s'organiser, de reprendre un petit peu le cours d'une vie normale. Aux personnes qui ont envie de descendre à l'inauguration, de pouvoir venir, de vous organiser à vouloir, si vous voulez venir, ça sera un samedi. Et puis voilà. Moi, ça sera après le 5 mai 2021. Mais de toute façon, l'inauguration, ça sera sûrement l'avant-dernier ou le dernier week-end du mois de juin. Ça sera pas avant. Ça sera un samedi. Alors, par contre, je sais pas si vous avez fait attention aux nouveaux horaires. Les horaires de la boutique, ça sera du lundi au vendredi non-stop de 10h à 17h45. Je n'ouvrirai plus le samedi. Parce que après, je suis trop fatiguée. 6 jours sur 7 et le dimanche à travailler sur l'ordinateur, c'est plus possible. J'ai plus de vie de famille surtout. Et donc, je lève un petit peu le pied. J'ai reçu énormément de candidatures pour le poste à pourvoir pour le mois de septembre. Je sais que certains d'entre vous me suivent. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas encore répondu parce qu'on est en plein chamboulement, en plein déménagement. Je prends le temps. Vraiment le temps de regarder ce que vous m'avez envoyé, les mails pour certains, parce que certains d'entre vous avaient envoyé des mails avec des vrais CV. Je vais prendre le temps. Il y a quelques personnes qui me plaisent bien, d'autres me font un petit peu rire, mais d'autres me plaisent bien. Donc je vais vous convoquer, on va discuter, on va voir comment on va mettre ça. La veste, c'est celle de mon mari. Regarde, j'ai pas de main. C'est vrai, regarde, si je me mets debout, voilà. Ah, pas de bras? Ah, pas de chocolat? J'ai pas de bras. Il est passé tout à l'heure, j'étais pelée, mais j'avais froid. J'étais gelée, du coup, il m'a passé sa veste. Et du coup, il est reparti à la boutique chercher le reste. Voilà. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés également. Énormément au niveau des bracelets. Je suis en train. Alors, je veux juste que vous arriviez à comprendre qu'une grosse majorité maintenant des bracelets vont être achetés. Ensuite, selon la taille que vous allez demander autour du poignet, c'est moi qui vais vous les monter. Voilà. Mais la taille standard, je les achète parce que j'ai quasiment plus le temps de partir tout le temps dans la création et je perds un temps monstre à monter tous les bracelets. Voilà. Même si j'adore ça, je perds un petit peu. Voilà, de temps, et ben là c'est plus possible maintenant. Voilà. Donc, je me réorganise comme je peux. Je vous. Coupe, je vous fais un gros bisou, je me mets sur le site, l'ordinateur est allumé, et je vous check tous de suite tout ça, comme ça vous pouvez passer commande si vous voulez passer commande. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.